coup, depuis tout à l'heure, je fais pas de story parce que Priscilla et Maël, ils m'ont privé de mon téléphone parce qu'ils trouvent que je suis trop sur mon téléphone. Le problème, c'est qu'en fait, je vous aime trop, donc j'ai trop besoin de vous parler. C'est pour ça que je suis trop sur mon téléphone. Un petit topo de ma journée là, j'ai rendez-vous aussi d'ici une demi-heure parce que c'est la cata, mais là cette nuit j'ai mon piercing du mouroir, tu vois, qui s'est enlevé, du coup je vais aller chez le perceur et j'avais perdu aussi le piercing de la conque à Cannes, donc je vais tout remettre là, c'est le dispo et voilà. J'ai pas le Covid, juste la clope. Et là, avant toute chose, Starbucks. J'ai reçu un colis de CASAP, c'est une marque qui fait des cases, des protections d'ordinateur, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais regardez les stickers qu'ils ont mis sur mon colis, c'est ma grosse tête. Le livreur, il a dû trop rire. Non mais merci, vous êtes trop chaud. Ouvrir le colis et j'ai galère à enlever les étiquettes du packaging parce que je voulais les garder. Mais regardez comme ils sont trop choux. 1001 nuances de Rubaba. J'adore. Alors franchement, j'ai envie d'en distribuer à toute la terre. Franchement, merci beaucoup CASAP, merci beaucoup Juliette. Je vous montre le contenu tout de suite. Pour commencer, ils m'ont envoyé 3 cases et ils ne m'ont pas consulté, mais je pense qu'ils me connaissent bien. Une zébrée, elle est trop belle et au toucher, elle est hyper agréable. Une marbrée, j'adore le marbre, surtout le marbre noir. Et là, un R comme Rubaba, RBB. Il y a un stickers pour Mac. Je pense que pour le moment, je vais prendre la pomme et la coller sur ma pomme. Donc voilà. Mais c'est trop beau, c'est marbré, j'adore. Vous pensez que j'ai le Mac le plus stylé de France. Là, c'est les étiquettes de Joanne. Ça vient de Hidden Cut. Et ça, c'est les stickers qui viennent de chez CASAP. J'aime trop. Franchement, mon Mac, il est incroyable. Et plus, vu que je suis une personne narcissique. Voilà, je suis là. Et... je vais faire une petite story parce que sur Twitter, c'est un déferlement de haine. Je pensais qu'après mon nez, je connaîtrais plus ça. Enfin, que genre, voilà, ça allait se finir. Mais bon, comme vous aimez faire des scandales sur tout et rien, je vais me prononcer une dernière fois. Enfin, même pas me prononcer, mais vous donner mon point de vue. Je n'ai pas d'avis à donner sur ce qui se passe entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà, je n'ai pas d'avis à donner. Je ne suis pas politicienne. Je n'y connais... Enfin, j'y connais rien. J'ai pas assez de recul pour donner mon point de vue. C'est des choses dont ma famille a déjà souffert, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc j'ai pas envie de vivre ça et d'en parler parce que je pense que mes parents ont déjà assez souffert de ça. Et c'est pour ça que je ne me prononce pas. Pour ceux qui ne savent pas, je suis née en Azerbaïdjan. Et quand je suis née, il y avait déjà ce conflit. Donc voilà, et j'ai d'ailleurs quitté le pays à cause de ce conflit. Donc c'est pour ça que je ne veux pas me prononcer par rapport à ma famille, etc. Les petits malins de Twitter qui ne connaissent rien, mais absolument rien à ma vie et qui ne savent pas ce que ma famille a enduré, ce que bah moi-même non, parce que j'étais petite, j'avais 1 an, mais ce que mes parents ont enduré, je vous prie de ne pas vous mêler de ma vie et de ne pas vous mêler de ça, de ne pas vous demander de me prononcer sur un truc, encore une fois, où mes parents ont grave souffert, surtout ma mère, donc j'ai pas envie de parler de ça, tout simplement, et vous ne m'obligerez pas à donner mon avis sur ça, point final, vraiment, je ne me prononcerai pas, et ceux qui sont pas contents, encore une fois, vous pouvez vous désabonner si, parce que je ne parle pas de politique, parce que je ne parle pas de choses comme ça, ça ne vous plaît pas, je suis là pour apporter de la joie et de la bonne humeur, pas pour parler de choses qui sont tristes et qui me feront de la peine à moi ou à ma famille. Je n'en parlerai pas, c'est tout, c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et voilà, comme ils disent tous, période, j'en parle plus.
J'ai terminé de tourner ma vidéo, mais c'est pas la fin de la journée parce que du coup là je vais partir et je vous emmène avec moi. Voilà, il y a ma petite Maëlle qui est venue m'accompagner, je sais pas où elle est. Bah, elle est là. Hey! Il va bien ce filtre. Du coup voilà, là on va bouger, je vais ranger, on va bouger et voilà. J'ai un flow à faire jalouser la France entière. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai ce flow dégueulasse. Mais genre, mes cils, ils sont en flic, mes cheveux, ils sont en flic. Et mon make-up, il est en flic. Je comprends pas. Je suis en train de rentrer par le parking dans Monoprix à pied, évidemment. Parce qu'en gros, il y a un chien, il vient d'essayer d'attaquer un humain. Du coup, moi, je voulais pas me faire attaquer. Du coup, la sécurité avant tout. Voilà. Totalement dans le parking de Monoprix.